Good morning, allez, Idan et Tsusra, aujourd'hui le Lunishmat Abraham Nechai, Ben Israël, Befani, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Edvora Batester. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez dans 5 minutes éternelles. Nous étions le Sadat Ktuvot, Perek He, Mishnah Alef. Afalpi Shamru, Betula Gova Mataim, Vealmana Mane, Imratza Le Hosif, Afilu Mea Mane, Yosif. Nit Armela O Nit Garsha, Ben Minha Irusin, Ben Minha Nisuin. Gova et akol, Rabbi Azar ben Azaria Omer, min anisuin, gova et akol, min erusin betula, gova mataim, valmana mané. Je le katav la ila la menat le konsa. Rabbi Uda Omer, imratza kotev la betula, shtar, shal mataim, ve kotevet it kabalti mimcha mané. Velalmana mané, vehi kotevet it kabalti mimcha, chamishim zuz. Rabbi Meir Omer, kol apochet li betula mimataim, velalmana mimané, arezo beladznut. Là, on est à fond dans l'inchot, ktuva. Concrètement, c'est le but de la Maseret, avec à présent combien on s'engage. On a déjà expliqué que le principe de la Ktouva d'abord, on écrit quand on se marie. La Ktouva c'est un contrat de mariage. Quand je me marie avec une femme, je suis engagé par plein de choses. Il y a des choses qui sont imposées par la Torah, comme la nourrir, la loger et entretenir une vie conjugale avec elle. C'est une obligation du mari. Et à part ça, et aussi de la femme, c'est mutuel. Des engagements, et on ne peut pas se défaire. On aura l'occasion de découvrir encore certains détails dans le Perek Zayin, je crois, plutôt. Il y a des engagements. À part ça, Ramim ont instauré toutes sortes d'engagements, mais il y a aussi une chose. D'abord, la Ktouba de base, quand on dit aux gens Ktouba, c'est combien? Et ils ont raison, parce que l'essentiel de la Ktouba, d'abord, c'est de s'engager à donner une somme au cas où on divorce. Le mari a l'obligation de donner une somme à sa femme. Il s'engage depuis le début à la donner. Le but de cette Ktouba, c'est très simple. C'est pour que le mari ne prenne pas la mouche trop facilement et qu'il la divorce. Quand il va se réfléchir combien ça va lui coûter, il va peut-être essayer de mettre un petit peu d'eau dans son vin et du coup, il ne plus la divorcer, bien sûr. Donc, il faudra mieux m'instaurer qu'il faut donner une certaine somme, une somme assez conséquente. La Mishnah vient et m'enseigne maintenant. Afalpi Shamru Betula Gova Mataim Zuz Velal Manane. Bien que Rami m'ont instauré qu'il faut donner à une Betula, il y en a qui pensent que c'est même une Torah, qu'il faut donner à la Betula. Gova, matin, il faut donner 212. On a dit 212, c'est le strat minimum de 1 an. Et l'almana mané, elle pourrait l'almana, c'est un mané, c'est juste 112, c'est la moitié. D'accord? Et une almana, c'est normal, parce qu'elle a déjà vécu avec quelqu'un. C'est plus une WW, comme les immatriculations en France, là. Et je sais pas si ça existe encore, à notre bonne époque, mais... Donc concrètement, donc l'almana, il est moins engagé avec elle, il a moins d'intérêt à la... C'est moins grave, quelque part, c'est le divorce, elle a déjà connu une personne, on connaîtrait une deuxième, une troisième, puis pourquoi pas. D'accord, donc Rami ont instauré, il n'y a plus la Betula, la Vierge. Donc du coup, Rami ont instauré qu'on donne 200 à l'un ou 100 à l'autre. Donc, même si Rami ont instauré de donner ce prix-là fixe, Imrat Sal Osif, Afilomé un mané, Mosif. Maintenant, si on a envie de rajouter même 100 manés, ça veut dire 100 fois le Srar minimum, 500 000 shekels à peu près, je ne sais pas. Alors, eh ben Yossif, il a le droit, il peut s'engager, il a le droit de l'écrire sur la Ktouba, c'est comme ça qu'on a d'ailleurs l'usage d'écrire des prix très larges. Le chidouche de cette Mishnah, il est que, d'abord, il faut savoir que tout ce qu'on rajoute, ça prend les mêmes conditions que la Ktouba. Il y a plein de halakhot, mais alors là, on ne va pas faire des détails dans le cadre de notre cours. Il y a plein de halakhot qui expliquent que ce n'est pas juste un engagement de payer au cas où. Je peux m'engager à vous payer au cas où vous venez demain, je vous paye 100 000 shekels. Mais là, c'est un peu plus profond, ça prend un même statut que l'ilchot Ktouba. D'accord? Il a élargi la Ktouba. Maintenant, le chidouche de la Mishnah, ils expliquent à Mefarjim que bien qu'on aurait pu croire que Rachmim en soit un prix, vous payez le prix et pas plus pour ne pas faire honte à ceux qui n'ont pas les moyens. En général, on écrit une grande Ktouba, pas parce que la femme est particulière, parce qu'on le sait, la femme elle est spécialement aisée et riche, elle fait rentrer beaucoup d'argent dans le mari. Le mari s'engage en contrepartie, en cas de divorce, il lui donne ça et même plus. D'accord? Et donc du coup, on aurait pu croire que, tu veux dire que ta Ktouba avec 212, ça fait un peu... Et l'autre, toi, lui, là, le cousin qui a marié sa femme hier, il a donné 5012. Et toi, tu donnes 212, c'est-à-dire qu'en fait, celle d'hier, c'était une riche, et celle d'aujourd'hui, c'est une pauvre. On aurait pu croire que ça refait honte à la femme. En théorie, ça, c'est sûr que ça va faire honte à la femme, qu'elle reçoit une Ktouba tellement peu chère. Malgré tout, on dit malgré tout, c'est les règles du capitalisme, chacun fait ce qu'il veut. Et donc s'il veut rajouter, il peut rajouter. D'accord? On ne craint pas la honte des plus pauvres. Ensuite, Nitarmela o Nitgarsha. Si toutefois, maintenant, ça c'était premièrement combien on s'engage, on peut s'engager. Donc il y a un minimum, et on peut même beaucoup plus, si on veut.
Maintenant, situation délicate. Si le jour où elle va devenir veuve, donc le mari va mourir, ou encore que le mari va la divorcer, que ce soit depuis les fiançailles ou que ce soit depuis le mariage, Gova et Akol, elle prendra tout le pactole, elle prendra tout ce qui s'est engagé. D'accord? Donc selon le premier avis qu'on a dans la Mishnah, je rappelle, les fiançailles, c'est pas les fiançailles qu'on fait à notre époque, mais c'est les fiançailles de l'époque, on donnait la bague. Aujourd'hui, on fait tout d'un coup. On fait les kiddushin, avec le verre de kiddush, et les témoins, et on donne la bague, et puis après, on lit la ktouba, et puis après, on fait les nisuin avec les shabbat brachot. À l'époque, on mettait un an d'écart au moins, entre les deux. Les fiançailles, c'était avec les kiddushin, la femme, elle devenait une femme mariée, mais une femme avec un statut de femme mariée, que si elle trompait son mari, ben, elle était passible de mort, et tout ça. Mais pour vivre concrètement ensemble, on attendait encore un an. Et après, quand c'était les Nisouin, c'était la Choupa, ils vivent ensemble. C'était comme ça l'usage. Et la Mishnah me dit, ben maintenant, si jamais, pendant la période de fiançailles, ils ne s'entendent pas, ils divorcent, elle prendra quand même toute la Ktouba. Le minimum plus le supplément. Tandis que Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dit, Mina Nisouin Gomet Akol, si il la divorce après mariage, une fois qu'elle commence à vivre avec elle. Alors là, effectivement, elle prendra tout ce qui s'est engagé. Tandis que Mina Eroussin, si toutefois il la divorce depuis le fiançailles uniquement avant mariage, il n'a pas encore vécu concrètement avec elle, alors là, non. Betula gova mataim valmana mané. La Betula percevra une dot de 200 uniquement, le minimum, quoi, vers la almana mané. Et la almana, la veuve, elle prendra juste un mané. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a écrit ce supplément que parce qu'il attendait de se marier avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple, il s'est engagé à donner une belle somme à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il va avoir le plaisir de la chérir, de vivre avec elle. Mais pas juste parce que je me suis fiancé. Il faut nécessairement avoir abouti, avoir entretenu au moins, avoir eu au moins un rapport ensemble, avoir vécu ensemble, être isolé avec elle. Mais tandis qu'entre les fiançailles et le mariage, où il ne s'isole pas, il ne s'est pas engagé à payer cette somme-là phénoménale, si ce n'est pas pour ensuite, pour vivre avec elle. D'accord? Ensuite, fin du premier sujet. Donc on récapitule, on a vu le prix, le minimum, plus la tosefet ktouba, ce qu'on appelle, le supplément de la Ktouba. Et on a vu aussi à partir de quand la femme perçoit. Le minimum, c'est bien sûr depuis les fiançailles, tandis que le supplément, marloquette, est-ce que c'est depuis les fiançailles ou il faut nécessairement attendre le mariage? Deuxième sujet maintenant. Elle va être un petit peu compliquée à expliquer. C'est pas dur en soi-même, il va falloir commencer par la fin pour revenir au début. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit « Imratza kotev la betula shtar shel mataim vekotevet et kabalti mimcha mani » Si il veut, s'ils veulent, Kotev la Betula Shtar Shel Mataim, il pourra écrire à la Vierge, à la jeune fille, un papier d'engagement de 200 zouz, dit Kotev et Itkabalti Mimcha Mané, elle écrit, j'ai déjà perçu de toi un mané, sans la moitié. Ou encore, Vel Almana Mané, Vei Kotev et Itkabalti Mimcha Mané, j'ai 12. Ou il écrit encore à la veuve, moi je m'engage à te payer 100 si je te divorce. Mais elle lui écrit, mais j'ai déjà reçu de toi 50. Donc en fait, concrètement, ils s'engagent à moitié, on va expliquer tout de suite. D'abord, je continue avec la suite pour Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Kol Apotret, la Betula Mimataim, Velalman Amane, tout celui qui va donner moins que 200 pour une vierge et 100 pour une veuve, à réseau Beilat Znout, on considère le rapport qu'ils vont entretenir comme une Beilat Znout, comme un rapport extra-conjugal et pas comme des gens mariés. Ça fait honte pour les enfants. Et on explique un petit peu mieux de quoi ça parle. Il y a un grand décret qu'il faut savoir, qu'un homme, il ne peut pas rester avec sa femme s'il n'a pas de ktouba. Si sa femme n'a pas une ktouba dans la main. Soit, la raison est très simple. Chachamim, on se pour entretenir un bon rapport avec une femme, il faut vivre concrètement, je pars sur le côté un petit peu philosophique d'histoire, pour mieux percevoir, comprendre l'idée. Un homme de lequel on a marié la jette, eh ben, il ne se sent pas assez lié à sa femme. Pour pouvoir construire bien avec sa femme, il faut nécessairement comprendre, vivre l'engagement. Du coup, un homme doit nécessairement veiller à ce que sa femme ait une ktouba constamment. Pire que ça, il est à la chôte, ça rapporte les identités d'Israël, dans Ivan Ezer, Simon Samerva, apparemment, si la ktouba de la femme, elle disparaît, il n'a plus de ktouba, elle se déchire, ils n'ont plus le droit de vivre ensemble. Il faut nécessairement aller vite écrire une nouvelle ktouba. Il ne faut pas la laisser en situation sans ktouba. D'accord? Et après, des raisons peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que de toute façon, on peut. Mais en théorie, il ne faut pas arriver à cette situation où
Je suis avec cette femme, j'en ai marre demain, je lui dis allez, va chez ta mère et tu me. D'accord ? Non, il faut un engagement que ce soit pesant de la divorcer, comme ça au moins on entretient un rapport durable avec nous. D'accord ? Quand on vit son engagement, on reste bien engagé. C'est un peu l'idée. Sur ça, Rabbi Meir, il est très marmire. Il a dit que puisque Rabbi Meir a décrété que tu dois donner 200 pour la Betula, 100 pour la Almana, tu ne peux pas donner moins. D'aucune manière. Tu dois rester à chaque instant avec une femme que si tu as le divorce, tu lui donnes 212. Et pas moi. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Sur ça, on a Rabbi Yehuda qui vient qui nous dit non, tu sais quoi? En théorie, tu peux même t'engager à donner même moins, même 100, même 50 pour une almana, pour une veuve, enfin, qui t'a connu quelqu'un. Tu peux donner même moins, mais seulement Rabbi Meir instaure que tu dois quand même donner 200. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que tu t'engages de donner juste 50, 80, tu sais ce qu'on va faire? Tu t'engages toi à donner ton engagement, 200 pour une betula et 100 pour une veuve. Et elle écrit. Qu'elle a déjà reçu de toi la moitié. Comme ça, on a fait le décret d'écrire le 200. Comme ça, quand on va voir le petit rabbin, il va nous lire la ktouva sous la croupa. Il va lire qu'il y a marqué 212. Mais à part ça, par derrière, tu l'as déjà donné un petit shtar, un petit reçu, que tu as déjà reçu la moitié. Tu peux aussi le faire de la sorte. Il n'y a pas de problème, ça marche, parce que c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y a une ktouva qui vous engage. Mais même si elle est moins que le prix instauré, c'est pas grave. Ça, vous pouvez quand même vous acquitter de la sorte. D'accord? Ça, c'est ça la marque qu'on va bien mettre à Yehuda. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.